Alors, je m'appelle Anne-Laure, je travaille à la CAF de Toulouse et je suis statisticienne. Alors, le métier de statisticien, c'est un métier où on analyse les données qui sont issues des activités de la CAF. Donc, on recueille, on traite, on synthétise ces données afin donc d'accompagner les responsables de service dans l'élaboration de leur mission. Ensuite, on a aussi toute une partie où on doit remonter donc nos résultats au national, à la CNAF, où là, on est garant un peu de la fiabilité des résultats qu'on remonte et de la sécurisation aussi de ces données. Ensuite, on a une partie où on travaille plus avec les partenaires. Donc là, on réalise vraiment des diagnostics de territoire, où on évalue aussi les impacts des politiques qui sont mises en place sur les territoires. Donc on fait des sessions des données dans le cadre de conventions, et ces données permettent d'alimenter donc leurs observatoires ou leurs diagnostics. Alors, pour exercer ce métier de statisticien, il faut être plutôt curieux, il faut savoir travailler en équipe, faire force de proposition. Lorsqu'on on analyse les résultats, il faut pouvoir les commenter, les interpréter et donc accompagner notre commanditaire pour prendre des décisions. Ensuite, il faut pouvoir être créatif aussi parce qu'on réalise des tableaux de bord, des cartes. Il faut connaître un peu les codes couleurs pour que les données soient plus faciles à lire et à comprendre. Quand on arrive à la CAF, il ne faut pas se laisser impressionner par le jargon, par la CAF, mais bien chercher à accompagner, à comprendre le besoin pour pouvoir réaliser au mieux les études et qu'elles correspondent à la demande.